Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Hier, la sortie de ce film, un film dont j'ai vu beaucoup d'extraits sur les réseaux sociaux, Sound of Freedom, le son de la liberté. En deux mots, Sound of Freedom, c'est quoi ? Mais déjà, il est passé en un jour aux États-Unis numéro 1. Il domine avec 14,3 millions de dollars de vente de billets dans 2634 salles devant Indiana Jones qui arrive deuxième avec 11,7 millions de dollars dans 4600 salles, c'est-à-dire effectivement le double. Mais ce n'est pas seulement pour vous donner les chiffres que je parle de ça. C'est un film, effectivement, sur, vous vous rappelez, on parlait de la mondialisation heureuse. Oui, vive la liberté de circulation des hommes, des femmes et des idées. Et qui peut être contre ? Mais quand c'est la circulation des armes, la circulation libre des drogues, et surtout, la circulation libre de l'exploitation des enfants. Oui, de la traite des enfants, de l'esclavage sexuel des enfants, du trafic d'organes. Là, vous allez me dire, mais non, ça n'existe pas, mais c'est pas vrai. Complotisme encore. Ben, on aurait bien aimé que ce soit du complotisme. On aurait bien aimé. On est bien aimé, mais quand on arrive à des chiffres d'affaires de 152 milliards de dollars par an dans le monde, un trafic d'organes qui vaut 42 milliards, comment sauver les enfants ? Eh bien, ce film qui est sorti, c'est un film de fiction, qui est un film de fiction qui a été effectivement basé sur la vie de quelqu'un, un lanceur d'alerte qui est sur le terrain, Tim Ballard. Bonjour, Car Zéro. Bonjour André, comment ça va ? Eh bien écoutez, ça va, je dois dire que j'étais assez bouleversé hier parce que des copies de films circulent sur les réseaux sociaux, je n'ai pas tout vu, j'ai vu une partie évidemment, l'image n'est pas bonne, etc. Mais c'est terrifiant ce film parce que c'est terrifiant et bouleversant, alors il parle de ce qui se passe en Colombie, à Port-au-Prince, etc. C'est Jim Cazeviel, vous savez, Jim Cazeviel qui avait fait La Passion du Christ, etc., qui joue dans ce film, donc c'est un film de fiction, mais basé sur des faits, hélas, entièrement réels. Et je rappelle juste ceci, Karl, avant, le tournage a commencé en 2018. Il s'est terminé en 2019 et c'était Walt 20th Century Fox qui devait distribuer. Eh bien, ce film a été mis au placard pendant 4 ans. Pendant 4 ans, rien. Walt Disney avait racheté 20th Century Fox et Walt Disney a dit non, on ne veut pas du tout en parler. Ça a été tourné en Californie, en Cartagène, en Colombie. Alors, ça a été racheté par Angel Studios qui a les droits de distribution et Angel Studios vient de le sortir aux États-Unis pour le 4 juillet. Ça concerne alors, disent-ils, 2 millions d'enfants. Ça concerne vraiment une industrie, si on peut parler d'industrie, terrifiante, qui est dans le monde, on a parlé d'Epstein, vous savez, le coin a été levé avec Epstein. Et Car Zéro, alors dites-moi, vous qui connaissez bien, qui avez écrit des livres dessus et qui aujourd'hui faites ce magazine d'investigation L'Envers des Affaires, qui est ce Tim Ballard ? Tim Ballard, c'est ce qu'on peut qualifier de héros moderne. C'est quelqu'un qui, en fait, il vient de la CIA au départ. Oui. La CIA l'avait chargé, justement, de s'occuper de la traite des enfants. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne savait pas que ça existait. Il a commencé à s'y intéresser au travers de ses activités gouvernementales, on va dire, au sein de la CIA. Et là, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de moyens suffisants qui étaient alloués pour lutter contre cette traite des enfants. Ouais. Et donc, il a décidé en 2013 de quitter ses fonctions officielles et de créer sa propre ONG à but non lucratif qui s'appelle Opération Underground Railroad, ouais. O-U-R, AOR, synthétisé en AOR Rescue, notre moyen de sauvetage, oui, c'est ça. Mmh. Et donc, il s'est entouré, et là, c'est très intéressant, parce qu'il s'est entouré à la fois de gens de cinéma pour filmer ses opérations, et d'anciens Navy SEALs, d'anciens Marines, de façon à faire des documentaires, coups de poing, un petit peu à la Netflix ou à la Amazon, en filmant ses opérations. Il en a sorti 3. Qui ne sont pas sortis en France. Enfin, moi, j'en ai récupéré un qui est le premier, qui s'appelle Opération Toussaint, qui est sur ma plateforme carzero.tv. Oui. Mais sinon, les autres ne sont pas encore sortis. Et puis, de là est née l'idée qui est venue d'un Mexicain qui s'appelle Verestegui, qui est à la fois acteur et producteur, de faire un film de fiction qui toucherait encore beaucoup plus largement que les documentaires de Tim Ballard, le public, de façon à frapper un grand coup.
Ils ont filmé donc ce film qui est un mélange entre différentes opérations. Il y en a eu en Haïti, il y en a eu en Colombie de Timbaland, et le résultat est un film extrêmement poignant, terrible, où on voit la réalité. Et en fait, c'est comme un signal, comme une déclaration de guerre au niveau mondial, puisque le film va finir par sortir partout. Je dois dire que personnellement, je me suis mis sur les rangs pour essayer de le distribuer en France. En France, bien sûr. Mais je me suis dit que ça m'irait bien au temps. Oui. Dites-moi. Mais Carl Zero, mais justement, alors ce film donne, enfin ce que j'ai pu en voir, encore une fois, je n'ai pas tout vu, mais il y a des réalités terribles. On découvre, parce qu'on entendait parler, mais on dit oui, c'est une rumeur, ouais, c'est encore du complotisme, etc. Mais dites-moi, quand on donne ces chiffres, 152 milliards de dollars par an, trafic 42 milliards, c'est-à-dire esclavage sexuel plus trafic d'organes. Est-ce que tout ça, enfin, vous avez, et tout ça est vrai, Carl Zero, vous suivez ça, vous, depuis des années, tout ça est exact, tout ça, c'est cette ampleur-là de ce trafic d'enfants avec, qui concerne des millions d'enfants? Oui. Ça rapporte largement autant que la drogue, et ça touche 2 millions d'enfants de par le monde. Le but, en fait, c'est de les vendre. Alors, il y a mille façons de les vendre. Ça peut être pour l'adoption, ça peut être pour les mettre dans des bordels pour enfants. Et ensuite, quand ils sont utilisés, ils sont fatigués vers 12, 13, 14 ans. Et là, ils sont abattus et leurs organes sont revendus. Et c'est un trafic que tout le monde connaît, mais dont on ne veut pas parler. Et ce qui est bien avec ce Sound of Freedom, c'est que tout d'un coup, eh ben, ça renverse la table. Ça dit la réalité de la situation où on est, dans un monde qui est censé aimer ses enfants. Enfin, les enfants, c'est notre avenir. Ça n'a aucun sens de supporter ça. À la limite que des gens aient envie de se droguer. Bah, admettons, pourquoi pas. Mais des enfants, André. C'est hallucinant. Mais Carl Zero, ça concerne des enfants. Ça va jusqu'à des enfants de 3 ans, 5 ans, etc. C'est terrifiant. Mais ça va jusqu'à des bébés, jusqu'à des mamans qui vendent leur bébé alors qu'il est encore dans leur ventre. Ça, c'est dans un autre film que j'ai mis aussi sur la plateforme qui s'appelle Eyes of the Devil, qui est un film polonais. Donc, ça ne se passe pas en Colombie ou à Haïti. Ça se passe en Pologne et ça se passe en Allemagne. Et c'est un réalisateur documentariste qui s'appelle Patrick Vega qui est allé avec la caméra et il a flouté les têtes. Et il parle à la fois avec la mère vendeuse, mais avec les trafiquants qui expliquent combien ça vaut. Un enfant vaut entre 50 et 80 000 euros au jour d'aujourd'hui en Europe. La vente d'un enfant, c'est entre 50 000 et 80 000 euros, le prix. Voilà, c'est ça. Exactement. Et ensuite, c'est la traite sexuelle et dans un deuxième temps, les organes. C'est fou. Voilà. Voilà exactement où on en est. Mais et personne n'en parle. Mais comment... Alors justement, vous dites personne n'en parle, parce que quand vous dites tout le monde connaît, oui, on connaît dans des milieux qui, comme vous, s'y intéressent et enquêtent dessus. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce silence, parce que ça existe depuis, j'imagine, des années, enfin, voire des décennies, ou pas. Bien sûr, mais aujourd'hui, dans la société, de même qu'il y a eu MeToo, il faut qu'il y ait un électrochoc autour des enfants, de ces traites d'enfants, mais aussi à un niveau, je dirais, plus près de chez nous. Quand vous voyez le nombre d'enfants qui sont abusés dans le cadre d'inceste et dont la mère se retrouve en prison parce qu'elle a dénoncé cet inceste, c'est une hydre, la pédocriminalité. Elle est partout. Et donc, s'il n'y a pas une véritable prise de conscience de l'ensemble, non seulement des Français, mais des gens du monde entier, ça continuera. Et donc, ce qui serait beau, c'est que notre génération soit celle qui fait que ça s'arrête. Et que, à la génération suivante, les enfants ne soient plus trafiqués, ne soient plus violés, ne soient plus abusés, qu'ils soient tranquilles, qu'ils vivent leur vie d'enfant. Les disparitions d'enfants, on a une idée sur les chiffres de disparition d'enfants, justement, d'enfants disparaître, parce qu'on parle de fugue et on parle de tout cela, mais ce qu'on a une idée d'enfants qui disparaissent et qu'on ne retrouve pas, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ce sont des chiffres aussi impressionnants. Ce sont des chiffres extrêmement impressionnants parce que il y a je vais dire, il y a le phénomène des migrants qui intervient. On sait qu'environ 10 000 enfants migrants disparaissent par an. C'est énorme. 10 000 enfants migrants, par an. Mais oui, migrants. Et dans le cadre des États-Unis, alors c'est beaucoup des enfants mexicains qui partent pour la traite sexuelle aux États-Unis. Ouais. Et il y a un trafic à la frontière d'enfants.
C'est pas... Et un trafic massif. Massif, et malheureusement, bien souvent, ce sont aussi des parents qui vendent leurs enfants. Ouais. Donc, évidemment, l'appât du gain, fait que, d'un côté, la grande pauvreté, de l'autre, l'opulence, la richesse, etc. Donc, c'est une monnaie d'échange. Mmh. Et les, évidemment, les gouvernements et les autorités et le FBI et la CIA le savent, mais il est clair qu'ils font pas grand chose. C'est contre ça aussi que le film s'élève. Oui, et parce qu'ils en parlent. Que... Mais alors, dites-moi, quand on parle justement de ça, Carl Zero, et dans le film, on voit Tim Ballard et les autres, c'est quand même extrêmement dangereux ce qu'ils font. Enfin, pour eux aussi, parce qu'ils touchent à des intérêts très puissants. Ah oui. Enfin, Oui, et c'est pour ça que quand ils font leur mission, ils sont entourés de sortes de mercenaires, de gens. Ouais. Mais qui ne le font pas pour l'argent d'ailleurs, qui là le font pour la cause des enfants, qui sont des durs, des gens qui sont habitués à aller sur le terrain, qui ont fait des guerres, qui ont des anciens d'Irak, d'Afghanistan, etc. C'est pas des rigolos du tout, c'est du genre des mecs qui sont habitués à Ben Laden. Quoi. Bien sûr, ils sont très entourés, c'est très efficace. On a des teams comme ça en France, comme la Team Moore, qui est formidable, que vous avez dû recevoir, qui traque les pédophiles. Mais on n'a pas ce niveau-là où ils ont des bateaux, des hélicoptères. Et donc, c'est ça aussi que raconte le film. C'est que qui veut peut, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et là, ils en prennent les moyens. Et je pense que ce film va ouvrir les yeux de beaucoup. Ouais. Parce que sur le terrain de la fiction, ça ouvre encore plus les yeux. C'est quand on dit c'est une histoire vraie, et ben, tout d'un coup, je pense que tout le monde va le prendre dans l'estomac. Tous les gens qui sortent des séances, j'ai vu sur les réseaux sociaux, sont en pleurs, disent j'ignorais que ça existait, je découvre un univers. Donc c'est très bien. Et ce qui est honteux, c'est de penser que Hollywood a empêché ce film de sortir sciemment pendant 5 ans. Exactement. Ils l'ont mis au placard. Et j'ai eu, Carl, moi je veux dire, hier, j'ai eu des amis américains qui ont vu le film, qui sont allés voir le film, et vraiment, ils étaient en larmes. Hein. Enfin, ils étaient complètement bouleversés, ce que je peux absolument comprendre, parce que quand il s'agit de trafic, encore une fois, 152 milliards de chiffre d'affaires, 42 milliards, je parle du chiffre d'affaires, mais ce sont des vies d'enfants que l'on viole 10 à 15 fois par jour, après, qu'on, comme vous avez dit, qu'on l'abandonne, dont on prend les organes. Enfin, c'est terrifiant, parce qu'on a l'impression d'un récit d'horreur, absolument, et en même temps, ça existe. Et il faut arrêter de dire que quand on parle de ça, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on parle de quelque chose qu'on ne veut pas voir, ah oui, mais vous racontez n'importe quoi. Enfin, vous le savez, Carl, puisque vous aussi, Bien sûr. Mais c'est ce qu'on appelle. Amazon a refusé le film. Parce que le film était fait, il pouvait renoncer aux salles à ce moment-là, lui dire on le met juste sur des plateformes, Amazon a refusé, Netflix a refusé, tout ça au nom de ce qu'ils appellent l'effet turn-off. L'effet turn-off, c'est ça va être si dur que les gens ne vont pas regarder. Ah ça oui, n'a aucun d'accord. sens. Oui, peut... ces plateformes doivent être aussi des lieux où des idées avancent. Il ne faut pas se couvrir et dire oh là là, non, ça n'existe pas. Évidemment que ça existe. Et c'est à nous, à chacun d'entre nous, de se révolter et de dire ça suffit comme ça, bien au-delà des clivages politiques ou que sais-je. Bien sûr, absolument. Alors justement, vous le faites, vous, avec L'Enfer des Affaires, et un livre aussi que vous avez écrit, dont on a parlé, Carl Zero, et dans le numéro 9 qui vient de paraître, de L'Enfer des Affaires, alors vous parlez... Je présente. Voilà, absolument. Vous faites bien de le présenter, vous avez raison de le présenter. Alors justement, c'est un journal en kiosque. Voilà, c'est un journal en kiosque, vous pouvez acheter, c'est trimestriel, effectivement. Et vous, justement, vous parlez d'une enfant de 12 ans qui a été massacrée et torturée, Lola. Et on en a parlé de cette IFA. Et vous, vous apportez, alors justement, racontez-vous, vous apportez des éléments tout à fait nouveaux et tout à fait assez étonnants et terrifiants sur la meurtrière, enfin celle qui a torturé et tué Lola. De quoi s'agit-il? Racontez-nous. Eh bien, quand le fait divers a été commis, je me suis dit, c'est quand même étrange, parce que c'est très rare qu'il y ait une meurtrière de 24 ans qui tue une enfant du même sexe de 12 ans en la violant et en écrivant 0 et 1 sur ses pieds. Ça ressemble à ce qu'on appelle un crime rituel. Crime rituel, c'est un truc qui existe. Il y a des satanistes, il y a... Bon. Mais on n'a eu aucune nouvelle. Et il se trouve que l'ex-fiancé, l'ex-promis de Dabia B, qui la connaît depuis son arrivée en France en 2016. La meurtrière, enfin, c'est ça. Voilà, celle qui est, enfin, on va dire, supposée meurtrière, quoi qu'elle ait reconnue. Enfin, la loi nous oblige à le faire. Et bien sûr. Il m'a contacté, et il a mis très longtemps à me trouver. Il a envoyé à des tas d'adresses, et finalement, il m'a trouvé, et il m'a raconté quelque chose qui a fait que je me suis dit, ah là,
nous avons peut-être le mobile du meurtre. En réalité, ce qui s'est passé, et ensuite j'ai parlé avec les deux sœurs de d'Abia B, qui m'ont confirmé ce qu'ils me racontaient. En fait, il s'est produit que 3 mois avant le meurtre, Dabia B est tombée sous la coupe de personnages peu recommandables, qui sont des Algériens nés en Algérie d'une cinquantaine d'années, qui pratiquent des rites, on va dire, de magie arabe, des sacrifices, des avec du sang. Oui, vous voulez dire que ça existe, un peu sataniste, que c'est Occident et en monde arabe, c'est un peu ça, oui. Sataniste, mais au sens pré-islamique, c'est-à-dire ça nous vient de très très loin. C'est ça, oui, oui. C'est lié, oui, c'est avant c'est lié l'islam, à l'univers. C'est, le, oui, c'est ça. Tout à fait. C'est lié à l'existence, évidemment, de ce qu'ils appellent les djinns. Les djinns, oui. Qui sont des êtres à mi-chemin entre l'ange et Dieu, ou qu'on peut appeler des démons, quoi. Et on pense qu'elle a été sous la coupe de ces gens. Enfin, de... Oui. Ah ben, vu les témoignages, il est évident qu'elle a été sous la coupe de ces gens, puisqu'avant, elle ne donnait aucun signe, ni de folie, ni d'envie de sang, ou de violer des petites filles. Enfin... Elle était tout à fait normale, c'était une tiktokeuse, c'était une fille bien dans son époque. Et subitement, elle a totalement changé. Et donc, pourquoi je publie ces témoignages? C'est parce que je voudrais que l'enquête soit reprise aujourd'hui et qu'on s'intéresse à ces personnes qui ont gravité autour d'elle, dont la police connaît parfaitement et le nom et les adresses, puisque mes témoins, les sœurs et l'ex-fiancé ont tout dit à la police. Mais curieusement, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont décidé qu'ils avaient d'un côté une victime, une meurtrière. Ils se disent, elle passera pour folle et l'affaire est close. Mais non, il faut qu'on sache le fin mot de l'histoire. Les circonstances sont si horribles et si absurdes qu'on veut comprendre ce qui se passe. C'est réellement important Écoutez, pour la mémoire de cette petite fille aussi. Oui, et oui, oui, elle fait partie de ces enfants massacrés, sacrifiés. Justement, deux choses. Alors, écoutez, lisez L'Envers des Affaires, lisez le nouveau numéro qui est en kiosque. Vraiment, c'est passionnant et c'est terrifiant en même temps, et comme vraiment ce film, alors on espère qu'il sortira en France bientôt, en tout cas à la rentrée, le Sound of Freedom, le son, le bruit de la liberté, qui est vraiment un film. Et vous savez, peut-être que ce sera la case de l'oncle Tom, ce que la case de l'oncle Tom l'a fait pour les Noirs d'Amérique, il y a plus d'un siècle, etc. Vous parliez de Me Too, comme c'est un j'accuse d'Émile Zola, c'est un j'accuse à la Émile Zola, Karl. C'est ça, ce qu'il faut, c'est qu'il vienne rapidement en France, que ça soit pas comme ce qui vient d'Amérique qui met toujours 10 ans à arriver. Là, cette fois-ci, il faut qu'il arrive maintenant. Oui. Donc j'essaye d'y travailler. J'ai pris contact avec Angel Studio, voir comment le distribuer en France. Oui. Écoutez, on va suivre ça et vous nous le direz. Et en tout cas, vraiment, vraiment, c'est un film incontournable. Et encore une fois, que tout cela existe, que tout cela prospère en 2023, que tout cela marche et on parle de choses et d'autres. Ne parle pas de ce scandale mondial majeur, c'est quand même quelque chose qui laisse assez pantois. Merci Karl Zéro et on se retrouve. Merci André. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.